Bonjour à tous, comment allez-vous? On est reparti pour du Bowser's Fury, 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 voilà, hein. En bon François, Bowser's Fury, incroyable aventure. Le jeu est bien, hein, le jeu est bien globalement. Globalement, le jeu est même très très bien, mais je sens qu'il va être un peu coucourt, hein. C'est-à-dire que là, actuellement, si on regarde la carte, alors sauf si on débloque deux bouts de carte, mais ce qui m'étonnerait parce que j'ai entendu que le jeu était court de toute façon, voilà. C'est-à-dire que là, actuellement, il nous reste 7 parties d'île, là, qu'on a débloqué la dernière fois. Bon, un petit truc ici, je crois que c'est le start, mais je suis pas sûr. Ah non, c'était ici le start. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on y retourne à un moment, mais on pouvait pas jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on pourra après. On pourra après, peut-être la fin du jeu, je sais pas trop, on verra. Mais bon, voilà. Pour l'instant, il faut qu'on aille visiter cette troisième île et aller faire les lunes Soleil-Chat, je sais plus comment ça s'appelle, de cette partie. Donc là-bas, il y a le tremplin bateau. On va juste rechercher notre poteau Nessie. Voilà, le voilà. Le voilà, et giga cloche des ruines. Alors je sais plus où on en est hein, par rapport à Bowser, hein, mais on s'en fout globalement, hein, je dirais. Je dirais qu'on s'en fout. Bon, normalement on a tout fait, il nous manque rien. Je crois que je suis allé de partout et j'ai fait tout ce qu'il fallait de partout. Donc on peut se casser, hein. Voilà. On arrive au ce qui semble être le dernier endroit. Alors ok, alors là il y a des trucs à péter, genre masse, 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 masse et masse. Là on a un niveau de lave. On va pas tenter le diable, je pense qu'on peut tomber ici. Alors il y avait un bouton là-bas. En plus j'ai loupé tous les cerceaux, mais ça on s'en fout. Ce n'est que des pièces. C'est une course ça je crois. Enfin c'est un endroit à atteindre rapidement. Merde, il faut que ça soit avec Mario. Attends, reste là Coco. Merde. Ah mais non, ok, rien à voir. Ah, attends, comment on joue déjà? Oui mais c'est vrai que Bowser Junior, il fait tout à ma place. Voilà. Bon, on a battu tout le monde. Reste qui? Ah quoi? Ah mais d'accord. Trop drôle. Il était c'était caché. Incroyable. Il y a une de plus. Combat mystère avec surprise. Ok, reprenons notre monture. Alors il en est où lui? Il est en train de tourner. Dans pas très très longtemps, il va apparaître, hein, je pense. Oula, oula, non, 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 non. Ah bah voilà, il pleut. Parfait, du coup on va se mettre là pour débloquer un peu les accès. Juste on va se mettre. Oh, il y a une lune ici. Mais ça on y verra après. On va juste se mettre ici pour débloquer quelques accès. Il est où? Ah, mais attends. Bah oui. Vas-y, crash. Crash tout ce que t'as, bon. Alors. Ouais, voilà, parfait. Ok, donc on peut faire ça. Ok. Il y a les blocs qui apparaissent quand il y a Bowser. Ça marche. Alors je sais pas si j'ai d'autres endroits de faire crasher là pour l'instant. J'en sais R là. Ça a l'air d'être assez grand par ici, donc pour l'instant je sais pas trop. Ah bah si, là. Là, crash ici s'il te plaît. Parfait.
Est-ce que tu voudrais pas crasher ici? Merde, mais je crois qu'il est allé de l'autre côté. Je crois que là il va rentrer chez lui, non? Je crois que c'est trop tard. Oh, 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 oh. Ah, quoique. Ouais. Et boum. Parfait, parfait. Alors, hop. On va passer ça, on s'en fout. Ok, alors attends, du coup j'ai zappé plein de trucs, il faut qu'on comprenne où on est, ce qu'on doit faire, qui on est, qui suis-je, que quoi. Carte. Ouais, en fait on est vraiment allé à l'autre bout de la carte quoi. Ok, on est allé au dernier level. Après, rien ne nous empêche de le faire non plus. Hein. Pourquoi il y a ça ici? Ça doit être pour un objectif. Alors c'est là-bas qu'on a tout pété. Donc en soi ça serait, c'est censé être entre guillemets le dernier niveau on dirait ici, hein? Parce que normalement on est censé faire ça quoi d'abord. Mais allez pourquoi pas, hein? Enfin, y a pas vraiment de dernier niveau quoi. Tu fais ce que tu veux dans l'ordre que tu veux j'imagine. Un truc là-dedans là? Ah si. Alors, qu'avons-nous? On peut monter nous. Ah bah oui, mais on peut monter sur n'importe quelle surface. Des beaux bombes. Les 4 beaux bombes. Alors attends, comment on fait déjà? Ah oui, c'est comme ça. On va se reprendre ça. On va tout faire péter d'un coup. Boum. Alors. Ah oui, mais vous allez m'embêter, vous. Ah, ok, donc. Ah ouais, il va y avoir des trucs tout le tour, c'est ça? Peut-être pas. Peut-être pas tout le tour. Merde. Oh. Non. Qu'est-ce que je fais? J'ai le chat. Oh fuck. Fuck fuck fuck. En vrai Tanuki était pas, c'était pas une mauvaise idée ici. C'était clairement pas une mauvaise idée Tanuki, mais là j'ai fait de la merde. Pipou papou. Hop, mettons-nous un Tanook. El Tanook. Pélép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 
Oh, c'est pas mal ça. Après ça dure vraiment pas longtemps mais... C'est un peu le dawa ici en vrai hein. C'est un peu beaucoup le dawa. Allez, crash tout ce que t'as. J'aimerais bien le faire tranquille en fait le niveau. Ouais voilà. Dégage de là s'il te plaît. Je le connais pas encore. J'aimerais bien le faire tranquilo. Merde. Oh, ça fonctionnait quand même. Tranquilo, tranquilo. Je sais pas si j'ai potentiellement loupé des trucs en plus derrière. Je sais pas si j'ai loupé quelque chose sur les faces là. Bon, on verra bien. Ah mais oui, mais si, j'avais vu que j'avais loupé un truc au début. Ah, ça se trouve c'était sur la plateforme verte là. Ouais. Bon, de toute façon on y retournera hein. On va essayer de prendre celle, tout celle qu'on... Celle qu'on voit. Oula. Oula, 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 oula. Je sais pas s'il y en a un caché. Ah bah, il est là. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. On va revenir ici et on va essayer de trouver celui qui nous manque. Qui est censé être bah ici, hein, en contrebas, j'imagine. Il est peut-être au niveau de la plateforme verte. Ah, Golden Room. Pas si mal ça. Action chaîne. Bon, le fragment, c'est sûr qu'il est du coup avant avant la plateforme bleue. Mais il a pas l'air d'être non plus sur la plateforme verte. Oh, il est tombé. Il est pleuré. Où est-ce qu'il est? On suit la logique, il est censé, enfin de l'ordre, il est censé être avant quoi. Là, je vois pas grand chose. Intéressant, intéressant, intéressant tout ça. Tiens, dessine ça, même si ça, normalement, il n'y a pas de fragment là-dedans. Enfin, j'en ai jamais eu depuis le début, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait un maintenant. Ouais. Bien ce qui me semblait. Et en plus, il y a notre poteau qui arrive. J'en ai aucune idée, hein. J'en ai juste aucune idée.
J'en sais rien. Du père. Ça va s'enlever ça. Il se barre Michel. Michel se barre. Bah je comprends pas trop là hein. Je vois pas trop les possibilités. Je sais pas s'il serait pas dans le trou là, non. Non, il est trop proche de l'autre, c'est pas possible. Ah bah il est là ! MDR. Bah il était bel et bien dans le trou, mais alors pour aller récupérer ça, sans mourir. C'est quoi la technique ? Ah oui, ça va être ça. Oh ! Il y a une plateforme. Il y a une plateforme. Une plateforme. Donc on peut aller directement dessus. Sans aucun souci. Pas évidente quand même. Pam 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 pam. Bon après il faut qu'on continue le puzzle hein. On en a une autre à aller chercher là-haut hein. Ok, nickel. Ça, c'est fait. Oh, c'était chaud, hein. C'était chaud ce que je viens de produire là. Oh non, j'étais si loin. Oui, d'accord. Oui, j'étais à l'autre bout du monde en fait. Bon, on va peut-être se remettre un petit Anouk. On va peut-être se remettre un petit Anouk là. Histoire de faire histoire de bien faire les choses. Maintenant on peut tracer jusqu'en haut. Balababum. Une petite Tanouk d'El Familia. Ouais mais ça faut attendre quelque chose de spécial, non? Je sais plus. Ah oui ça là-bas non. Histoire d'être bien safe. Ah, attends. Ah mais non mais si on l'a déjà pété ça tout à l'heure. On l'a prise la truc qu'il y avait dedans. J'ai besoin de s'embêter avec... Pourquoi ? Giga gros lui. Un petit peu embêtant là quand même. Oh non. Pas Bobby, pas Bobby. Pas lui, pas maintenant.
Leave Britney Alone. Bah ouais, j'ai bien compris que t'étais là pour nous embêter. Oh les Dark Cats. Et hop. Le timing est assez bon. Les petits minous. Par contre, me dites pas que je dois vous ramener tous quelque part là, parce que flemme. Hein. Flemme de vous ramener quelque part. Non, on s'en fout. Du coup, il y en a une là-bas. Ah, j'ai l'impression qu'on va pouvoir y aller que si. Que si il y a le Bowser's Fury, bien évidemment. Bah, ça m'a l'air d'être clean par ici. De toute façon, faudra qu'on revienne pour avoir les autres minigames. Mais à part ça, ça m'a l'air d'être ok. Hein. Ça m'a l'air d'être ok. Ah oui, et là-bas, bah là-bas, on peut toujours pas y aller. Ouais, ça sera sûrement après la fin du jeu. Hein. On va se casser. On va faire un petit tour, on va revenir. D'ailleurs, il y a des endroits qu'on n'a pas visité entre ces trucs là, je crois. Il y a R ici. Je pense que ça doit être des, des passerelles qui doivent apparaître. Il y a le Grow Bowser. Dis donc, il y a du monde ici. Ah, forme de chat. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire quelque chose même avec Bah ouais, non, on peut pas. That's the problem for the moment. On ne peut pas. Il va falloir qu'on libère un peu. On libère tout cet endroit de. De sa dégueulasserie là. Ah! Petit nuage présentement. Et boum. Ah oui, alors là il faut tuer tout le monde hein, je crois, c'est ça. Hein. Il me semble que c'est la condition. Hein. Il s'en est occupé. Quel giga bro. Voilà. Vraiment un giga bro ce Bowser Junior. Petit endroit bonus fait. Ah yes. Ah oui, ça je savais pas ça. Ça c'est découverte. C'est découverte ça. Totale découverte. Pim 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 pim. Ah, du coup, on nous a remis ici et il y a le chrono qui est apparu. Bah, nickel. Oula. Ok. En 20 secondes. Tout de même.
Oh non. Oh non, il y a Tonton qui arrive. Ok, nickel. Oh merde, mais j'aurais dû attendre. Oh le bouffe. Oh le bouffe. Oh le giga bouffe. Et voilà, et voilà. Et c'est qui va venir nous casser les couilles? Eh oui. Après, il me restait que 6 secondes pour le prendre le truc, donc peut-être que j'aurais pas pu. Ah ah ah, j'ai tenté. J'ai tenté de m'esquiver par l'eau. Après, on s'en fout, on avait pas de costume, y'a rien. Y'a aucun. En vrai, j'aurais dû me susciter direct. Hein. On s'en fout, il n'y a pas de vie dans celui-ci. Bon, bah parfait, du coup, ça a fait apparaître ça. Nickel. Il faut qu'on aille récupérer de qui? De qui doit être, j'imagine, là-haut. Hein. Je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être. D'autre. Ce n'est là-haut. Bon, si on arrive là-haut et qu'il n'y a pas de clé, par contre, ça fait un scandale. Hein. En plus, il y a moyen. Hein. En plus, il y a moyen que pour troll, il ait mis un endroit un peu caché. Pas forcément en haut quoi. C'est osé ça quand même. Merde, j'aurais dû y aller direct. On va devoir se taper un tour entier là. Ouais. Y'a pas un Tanook ici? Ah si. Toujours un Tanook quand il faut. Bon, maintenant on a juste à croiser les doigts qu'il soit bien en haut. Voilà, parfait. Il faut. Ah ouais, par contre, le plan là, c'est quoi? Le plan, c'est de refaire tout quand même. Le plan, c'est de tout refaire sans mourir, sans tomber dans la lave, sans tomber dans l'eau. Le Tanook Kikari. Parfait. J'en demandais pas plus. Attends, il en est où Robert là? Oh, il tourne pas encore. Ok, bah ici on a tout. Hippapapou. Alors, tu es en train de me dire qu'il y avait ça. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps il y avait ça? Ouais, ça va, j'ai pas trop galéré. Ah merde, il y a Bobby qui va pas tarder. Hein. Alors ici, c'est Terminados. Ah mais tiens, est-ce qu'on resterait pas dans les environs pour voir s'il n'y a pas une passerelle qui se crée pour aller là-bas? En fait, je sais pas si ça va vraiment partir toute cette merde là. Hein. Pas sûr, hein. Et ça, bah ça, on sait pas ce que c'est non plus. Je sais pas. Peut-être qu'il y aura un truc qui se débloquera après, on verra. Bon, là, on entend, on attend papa. Papa Johnny là. Il va arriver. Oncle Bobby, papa Johnny, comme vous voulez. Tous les noms lui vont. Il y a bel et bien une passerelle. Oui, il y a une passerelle qui apparaît. Sur ça, on a eu du pif.
Voilà, fais-nous le plaisir de disparaître. N'est pas le bienvenu. Donc on a eu le petit truc ici aussi. On va retourner au niveau des îles qu'on devait faire dès le départ. Ah oui, on se souvient, on a un soleil à les récupérer sur la muraille là-bas aussi. Alors attends. Voyons voir ce qu'on peut faire. Parce que pour commencer le niveau... Ouais, il y a les plateformes quand il y a Bowser qui est énervé. J'ai pas besoin de la récup. Comment on fait là? On est obligé de faire tout le grand tour ou il y a un moyen d'accéder à un niveau là? J'avais même pas regardé ça. Oui, on était là nous tout à l'heure. Ah non, mais en fait, t'es obligé de le prendre dans l'autre sens, en fait, je crois, le niveau. Ah là, il y a un truc. Ouais, bah, c'est sûr et certain que toute la merde s'enlèvera au bout d'un moment. Il y a même une étoile là-haut, là. Peut-être sûrement avec le phare, là, ou je sais pas trop. Ah non, là, il y a des trucs aussi. Bon. On va essayer d'aller là. C'est l'endroit où on pouvait se poser, j'ai l'impression. Au niveau de la grosse cloche. Ah, toi 100% va falloir te ramener à maman chat. Hein. Ceux de cette couleur, c'est 100% une maman chat. Hein. Ah. Il y en était sûr. La giga cloche des rocs. Lui en faut combien? 12? Cinq. Il y en a qui se cachent là? Mais il y a masse de trucs à briser, j'ai l'impression ici. Oui. Un petit peu le point d'entrée à tous les niveaux, ça. Non, pas tous. Hein. Je pense qu'il faut en faire certains pour que ça débloque des accès. Ou alors il faut faire la giga cloche pour que ça débloque ça. Là je peux en faire deux, il y en a un que je peux pas aller faire. Il en est où Bobby là? Où est-ce qu'il est? Pati suite. Oh tiens. Encore un 4. Il est où? Voilà. Pourquoi tu es débile? J'imagine que je peux pas aller avec toi dans le tuyau. Hein. Ouais. Il faut que je marche sur le tuyau. Oh là là, il y a Bobby en plus là. Ah mais merde, ça va être un Dark Cat. Ah mais oui, mais putain. Bon alors attends, on va aller faire ça là parce que... Attends, non, il faut qu'il crache d'abord là-dessus, là-bas. On vient cracher là-dessus là, Bobby. Ah yes. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Je sais pas, on va prendre ça, allez. Histoire de pas mourir. Protéger. Ah oui, donc ça va nous permettre d'aller chercher la... D'aller chercher l'étoile, parfait. Yaha! Il sur l'étoile. Allez, ça dégage.
Est-ce que ça peut m'emmener à un endroit intéressant ou pas du tout? J'ai l'impression que pas du tout. Donc on va retourner ici. Ah quoi? Le personnage a décidé de courir. Bon bah du coup faut qu'on refasse le chat. Slowly, slowly. Ok. Elle est où maman 4? Maman 4. Hop. Et de 2. Et où, si tous les chats de cette région, enfin si toutes les mamans chats de cette région pouvaient arrêter de perdre leurs petits. Mais non mais je te veux pas toi. J'ai pas vu que je l'avais pris. Ça m'arrangerait. Il y en a qui mènent à des endroits étranges. Ok. Alors, pas forcément, mais pourquoi pas, hein. Mais il est au-dessus. Damn. Et boum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, mais lui aussi. Ah oui, mais non, c'est bon, on peut y aller. Ah, trop marrant. Trop drôle, ça. Oula. Oula, alors, attends. Où est-ce, là? Ok. Ok. Attends, parce que du coup il m'en manque combien? Il m'en manque un. Ah, bah tiens, on va attendre que Bobby. Ah bah tiens, il est là le dernier, ok. On va attendre que Bobby s'active là. On va prendre cette lune là, puis après on prendra le dernier machin. Dernier emblème. Et non. Va des rétro, Satanas. Ah, du coup on a débloqué toute la région là. Ok, nickel. Nickel, nickel. Ouais, parce que il y a un des emblèmes qu'on pourra pas prendre. Nice. Un des soleils qu'on peut pas. Oui, il faut qu'on fasse exploser un bout de mur, je crois. Mais on pouvait pas parce que c'était. On pouvait pas aller dans l'eau. Et maintenant, on peut. Pipapalap. Et c'était derrière. Dommage. Dommage, fromage. Il est où, Plessis? Mais attends, mais ça, c'est une course que je dois faire, ça, non? Ah oui, j'ai jamais fait de course ici, moi. Bon, de toute façon, on est obligé d'attendre que Bowser revienne, du coup. Bah, on va faire la course en attendant. Mais elle y était pas avant, on est d'accord, elle vient d'apparaître, ouais. Oui, elle vient d'apparaître parce qu'on a débloqué la région. Ah!
Ah oui, donc ton but c'est d'aller me faire de me faire retourner au début du jeu quoi. On a fait le tour de l'île hein. Concrètement là c'est un petit tour quoi, je suis l'office de tourisme. Eh oui d'accord. Ah oui du coup ils sont illuminés comme ça quand on doit quand on les a pas fait. Du coup il y en a un là-bas aussi. Marrant, je l'ai pas vu celui-là. Ah, apparemment je l'ai pas vu hein. Des petites courses que j'ai pas faites. Étonnant, mais possible. On est d'accord hein. Oh ouais, elle apparaît pas sur la carte. Du coup c'est que je ne l'ai pas faite. Par contre elle se prend de l'autre côté. Par contre, le lapin, là, on est d'accord, je l'ai déjà fait, celui. Pas fait celui-ci non plus. J'ai fait un lapin, mais est-ce que c'était celui-ci? Ça, je m'en souviens plus. Apparemment, non. Poursuite du lapichou des sables. Ok, ok. Il y avait véritablement des petits objectifs secondaires qu'on n'avait pas fait de ce côté. Hop, la course. Ah, d'accord. Ah oui, mais c'est parce que ça vient peut-être de se débloquer, en fait, tout ça. Ça n'existait peut-être pas avant. Par contre, on dirait qu'il y a un truc à droite dans la grotte, là. Et les endroits cachés, on est d'accord ? Merde, si je voulais prendre le boost. Oh non! Oh terrible! À une seconde, je vais le rater. Oh! Par contre, il se passe quoi si on va là, là? Ah, c'est des cascades cachées. Il va bientôt y avoir le refrain là. Du coup, il n'y a pas. Non, il n'y a rien de caché ici. Ah non, j'ai cru que. J'ai cru qu'on pouvait aller. Par-delà les cascades, les mini-cascades, mais pas du tout en fait. Pas du tout, pas du tout. Très bien. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de retourner jusqu'au level là pour faire crasher Bowser. Même pas comprendre où on est actuellement. Ouais, c'était là. Bon, c'est un peu late, hein. Ah. Salut à toi. Oh non, please. Tu es trop gros, Bowser. Allez, crash une dernière fois, please. Il va partir là, je pense. Ah, quoique. Maybe. Nice. Parfait. Parfait, parfait. Alors, du coup, est-ce qu'on a débloqué? Ouais, on a débloqué ça. Alors, attends, je vais me mettre en chat, je pense. Quoique, c'était pas si utile en vrai. Pas grave.
Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors j'aurais pas dû faire ça, mais en même temps je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre parce qu'il fallait bien les récupérer quand même. Ah mais c'était moins long de les récupérer en dernier. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, allez, let's show again, je me suis fait avoir comme un bleu. Nickel. Boum. Et 4. Plus qu'une. Mais du coup, faut qu'on se casse d'ici. Je sais pas si juste de faire ça, ça a changé. Ah yes. Une clé. Une petite clé à récupérer. Alors on sait pas trop où elle est, mais elle doit être en hauteur j'imagine. Merde. Là, je sens qu'on va se manger le Bowser avec le retour avec la clé. Merde. Pim pum pim pum. Ah. Là, voilà la coquine. Ah, merde, je peux pas sortir comme ça. Après, si on reste dans les tuyaux tout le long de la phase, on est ok, hein. Bon, ça sera un petit peu relou. Merde, les chats démoniaques. Le problème, c'est que je risque de faire une connerie, quoi. Mais bon, ça se tente. Ça se tente, hein, que j'ai dit. MDR. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un soleil à aller chercher là-bas. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oh, mais c'est de la triche. Il le met devant moi, c'est de la triche. Ah, ça m'a fait regrandir. Bon, let's try again. Ah, c'est quoi le mieux là? Est-ce que je chat ou est-ce que je... Ou est-ce que je tanouk? Chaque fois je le loupe lui hein. Mais une heure à faire le tour alors qu'on aurait pu mettre 2 secondes. Le truc c'est qu'avec le chat je peux peut-être me démerder pour monter gagner un peu du temps quoi. Alors je monte sur ces tuyaux là. Ah, ça je pourrais pas l'utiliser avec la clé.
Tout va bien. Parce que j'imagine qu'il fallait pas non plus que je prenne de tuyaux, parce que sinon ça allait cancel la clé. Ok, cet endroit is ok, good, finito, finish. Donc du coup on peut aller en face. J'imagine que cet endroit se débloquera quand on aura fait les deux côtés. Ou alors quand on aura pété la gueule de Bowser. C'est possible aussi. Qu'est-ce que je vois là? Viens là toi. Merde, je peux pas le prendre à cause de... Merde, je peux pas le prendre à cause de la caisse. Je sais pas comment la retirer. Je suis obligé de me prendre des dégâts ou un truc comme ça, j'imagine. Un peu trop loin. Ok, on a un truc à faire détruire ici. Il va bientôt arriver là, la bouse. Le petit Bowser. Ah, il y a un cat aussi ici. Allez, crache toute ta haine ici. Et ensuite, tu dégages, bien évidemment. Un peu plus simple avec ça. Ah oui, c'est Dark Luigi ça. Alors c'est pas que j'ai pas le temps pour toi, mais c'est sur un autre objectif. Après il y a Bowser Jr qui fait le taf hein. Bon, ça va être rapide là hein. On va récupérer deux d'un coup là. Ah nice. Et du coup on a débloqué le chemin vers le troisième level. Parfait ça. Ça va être tout épuré à la fin. Ok, donc du coup on peut aller chercher un qui est là-bas, mais c'est un bonus. Ici du coup on a les trois de base. Faut qu'on s'écarte un peu, bon on va aller chercher ça. Hein. Pourquoi je voulais aller sur toutes les plateformes. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je me suis dit au début que j'allais faire plateforme sur plateforme, mais en fait elles sont beaucoup trop éloignées les unes des autres. Ok. Eh bien. Ah oui, si, putain, mais on a les chats à récup là. Quel bordel. Ok,
quelque chose à faire avec vous là, comme ça ou pas? Y'a pas de plateforme invisible. Ouais, mais le problème c'est que... Actuellement tout de suite, j'ai pas la soluce là. Là je sais pas. Là je peux pas rentrer dans le tuyau. Bizarre qu'il y ait ça quand même, non? Comme s'il y avait d'autres plateformes qui nous attendaient. Ah bah si. C'est bel et bien ça. Ok, alors, maman 4. Du coup, il nous en manquera 2. Ah mais non, mais il y en avait un tout à l'heure que je pouvais pas prendre là. Donc en vrai, il nous en manque un qui doit être sur la dernière île. Il était là-bas, le petit haut. Non, pas toi, on s'en fout. Cette maltraitance déjà. Et 2-4. Ok, de toute façon, il faut pas qu'on y aille directement là-bas, faut qu'on retourne ici. On a dû débloquer. On a dû débloquer les mini-jeux suivants. Instinct de fusil chat. Quel est le. Ah, j'ai compris. Merde. Ça, j'ai quand même compris ça grâce au niveau de... Grâce au niveau de merde dans Super 3D... Super Mario 3D World quand même. Et dans les derniers niveaux là. Parfait ça. Ouah! Comment on fait toucher là? Pas trop d'accord. Ok, donc ça c'est fait. On peut se tirer d'ici. Où est-ce que je vais là? C'est par là-bas qu'il fallait que je me tire. Oui, on a fait le grand tour. On va activer le dernier, la dernière épreuve. On va faire ça, mon petit haut. Chrono parcours d'obstacles. Toujours plus à l'aise avec ça. Après un chat aurait été même mieux là, mais bon. Tranquille. Ouais, avec un chat t'as même pas besoin d'exploser le muret. RIP. RIP RIP RIP. Bloup bloup.
Pas facile, hein. Pas facile en courant. Pas si j'ai forcément besoin. Après, ce que je peux faire, ouais, c'est latter les ballons pour aller tout droit, en fait. Je pense que la vraie solution, c'est ça. On va contourner un peu les règles, hein. Vu qu'on n'avait pas de ballon devant nous. On contourne un peu les règles. Ok. Ok, let's go. Parfait, bah on peut se casser et retourner, enfin et aller au troisième endroit. Peut-être qu'on botte le cul à Bowser aussi, un de ces quatre. Ça pourrait être pas mal. Il fait un petit peu dodo là. De toute façon, il va arriver au pire moment comme d'habitude. Hein. Il devrait y avoir le dernier chat ici. Abat le prince voyou chat. Il a plein d'être ici le petit chat. Ah oui, du coup, on a ça explosé avec Bowser. Classique. Alors, est-ce que... Ah ouais. Ouais, ouais, il faut qu'on prenne une plateforme, là. Alors. Ah ouais, mais je peux pas... Oh putain, il faut que je libère d'abord. Bien évidemment. Salut frérot. Ah, attends, je vais juste faire un truc parce que je vais potentiellement perdre mon costume. Donc, quitte à perdre un costume, autant que ce soit un costume de merde. Hop là. Tout était prévu depuis le début. Oh quoi? Oh please. Bon, en fait, il y avait rien. Je m'attendais à avoir au moins un emblème, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, let's try again. Du coup, il nous en manque un, mais ça doit être celui de la plateforme. Ça doit être lui. Après, je peux me suicider pour le prendre aussi, hein. Merde. Une solution viable, hein. Je dirais pas comme ça, mais... Pas très confiant en petit là. Pourquoi je suis allé chercher cette caisse en fait? Pourquoi? On s'en fout. Y'a aucun intérêt à aller prendre cette caisse. On s'en fout. Et je vais quand même la prendre. Putain, mais je vais me faire avoir à chaque fois en fait, c'est ça. C'est ça le truc. Tout va bien. Pas du tout en train de péter un câble actuellement. Tout va bien. Oh
Punaise. J'ai failli me refaire avoir. Encore une fois. Le truc c'est que mon cerveau reset à chaque fois en fait. À chaque fois j'oublie ce qu'il y a. C'est assez terrible. Et les pépépu. Ah c'est terrible. Bon on s'en fout, voilà, super. On a enfin dépassé l'endroit qu'on devait dépasser. Vraiment. Quoi il est allé là-bas? Quoi? Pourquoi il s'est jeté vers moi? J'ai pas compris là. J'ai pas compris pourquoi il a eu la nécessité de faire ça. Pas la ref. Pas la ref là. Hein. Pas la papapeu. Oui. Non mais frère, t'es sérieux? Tu sautes en même temps que moi? Mais ah, me troue le cul. Tiens le feu, tiens des, j'envoie des boomerangs. Alors, où est-ce que ça va? Tiens que ça m'emmène pas tout en bas. J'ai envie de chialer. Miyamoto, je t'encule. Espèce de bâtard. Pourquoi tu fais ça? J'en étais sûr en plus. Mais j'en étais sûr, je l'ai dit. Putain. Quel petit bâtard. On le sait que c'est un troller Miyamoto, on le sait. Oh, et en plus je fais de la merde. Et en plus il y a Tonton Bowser qui arrive. On n'est pas dans la merde. Je pense qu'on est mort. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Allez. On repart sur de bonnes bases. Ah mais non, mais attends, mais il sera encore là. Toi, tu veux pas genre exploser ça là? Je sais que je suis pas censé le faire dans cet ordre, mais en vrai, là, vas-y crash. Voilà. Bon, je me planque pas, c'est pas grave. Oh non, il est pas allé jusqu'au bout. Attends, si je me mets là, là. Yes, fais de l'autre côté. Parfait, ça. Bon, là comment je fais pour repartir? Eh bien c'est simple, Jamy, je me suicide. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Je ne crois pas. Au moins on a fait ce truc avec Bowser, c'est nickel. Maintenant il faut qu'on arrive à récupérer tous les fragments. Mais en vrai je pense pour pas avoir à redescendre après là, parce que je sais pas ce qu'il faut faire après avec la... Il y a une plateforme à prendre plus loin je pense. Je pense que je vais juste essayer de... Voilà, de faire ça. De me suicider. Et d'aller chercher les deux derniers fragments. Comme ça qu'on joue à un Mario. Un Mario où ça sauvegarde à chaque fois que tu prends un truc, bien évidemment. Et vive la casualisation des jeux vidéo. Allez. On peut le faire.
Pam 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 pam. Bon, si je me prends des dégâts, je mettrai. J'utiliserai un petit peu mes pouvoirs là. Plus utile jamais, on va dire que ça va être le bon moment. Bon, ça, on le prend pas. On a compris. Très bien. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, pas grand-chose. On a besoin d'aller là-bas? J'ai pas l'impression. Hein. Regarde derrière moi vite fait. Pas l'impression. Est-ce que tu peux m'exploser ça ou pas? Je prends vraiment un pouvoir là, j'ai pas le choix. Attends, on va y arriver. Ouais. Ok, ah c'était le last. Ok. Bon, il doit être quand même après, je pense. Non? Non, parce que là on redescend et on va là-dedans là. Ça a l'air d'être une arène là-bas. On va bien quand même trouver le dernier fragment avant de partir. Merde. Merde, mais du coup il y a plus la plateforme là. Ah ouais. Ah c'est dommage ça. Bah je sais pas du tout. Où est-ce qu'elle peut être? Bah sinon on va à l'arène, hein, tant pis. Hein. On reviendra, on revérifiera mieux la prochaine fois. Là je vois pas. Et youpi! Du coup, si on fait ça. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est ça le fameux chat. Alors attends, on va se mettre un. Comment on va se mettre un Tanook? Je vais vraiment prendre un dégât là. Are you serious? Ah mais oui, il lance des boules de feu, d'accord. Ah oui. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Why not, why not? Ça dégage la blouse. Ah, en même temps, on nettoie un petit peu la zone. On a débloqué un lapin. Un lapin. Le truc, c'est que c'est pas tout, mais... Oh, là, le 4 qui nous manquait. Le 4... Attends, ça nous emmène où? Ça nous ramène là-bas. Comment je suis censé le ramener ici le 4 là? Ta 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 ta. Bah juste comme ça en fait je crois. On va s'occuper de ça comme ça c'est fait. Parce que le chemin pour y aller est un petit peu chiant. Donc occupons-nous du 4. Comme ça, on n'en parle plus. Et boum, j'ai encore le feu derrière moi quoi. Parfait.
Parfait, parfait. Et ben. De toute façon, faut qu'on trouve le dernier fragment ici. Bon, il y avait une plateforme, puis elle s'est retrouvée en bas. Il y a un tuyau. Peut-être le tuyau qu'il nous faut, non? Enfin, pas quoi faire avec, mais. Même pas comment l'atteindre en fait. Ah ouais, ça a full changé ici là. C'est devenu bien plus coriace. Ah oui, bah la voilà. Ah oui, on pouvait pas la récupérer avant la phase 2, j'ai envie de dire. Mais en fait, est-ce que ça fait autre chose qu'un 360? J'ai pas l'impression. Hein. Mais pas autre chose qu'un 360. Qu'est-ce que c'est que ça? On a jamais eu affaire à ça. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. C'est du platforming. Ok, ça s'arrête quand même. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir accéder à notre dernier fragment grâce à tous les nouveaux trucs là. Faudrait que je fasse une connerie. Encore le feu si on détruit la truc au milieu là. Ah oui, on peut pas la détruire. Bah oui. Je check un petit peu, voir. Ah oui, on a une étoile tout là-haut aussi. Et donc du coup, il y a un truc juste en dessous là. Mais là, tout de suite, pour y aller, ça m'a l'air un petit peu compromis quoi. Il n'y a pas vraiment de... Pas vraiment de solution pour y aller là actuellement. Alors qu'est-ce qu'on a? Enfin, il y a bientôt Papa Bowser qui va arriver là. Fuck Papa Bowser, fuck. Oh non. Pas rien, génial, j'adore. J'adore le gameplay blind quoi. Vraiment très intéressant. Et on a toujours pas trouvé ce qu'il nous fallait là. Hein. Me cacher ici vite fait. On a toujours pas réussi à trouver le dernier emblème. Oula. Non, non, laisse-moi tranquille toi. Ah bah tiens. El famoso tuyau. Où est-ce que tu nous emmènes? Oh. Au plus haut sommet, l'ascension du mont Magmiaou. On a une belle vue d'ici. On est sur les oreilles du mont Magmiaou. On trouverait pas en même temps l'emblème. Non. Les trucs ne chargent pas, c'est trop loin. Golden.
Un peu l'emblème dans le coin là, pour être cool. Quoi? Ah bah oui. Attends, deux secondes, oui. Boum, clac. Pour les récupérer. Ça bien évidemment. Point de vue panoramique sur la lave. Mais du coup, est-ce qu'il nous emmènerait pas à un endroit où il y a potentiellement une autre lune? Il y a un truc là-bas, mais je sais pas ce que c'est. On dirait une cloche. Une cloche de chat, mais pas sûr. Bon, faudra qu'on trouve le dernier emblème quand même là-bas. Ah, il y a un truc chrono qui est apparu. Ouais, non, ouais, c'est juste une cloche en fait. It's just a bell. A bell, bell, bell. Et puis... Ah bah, il l'a récupéré à ma place. Ouais, c'est ça, puis tu retournes là-bas. Ouais, mais du coup, j'ai pas d'intérêt, moi. Pas d'intérêt à tomber, quoi. On va attendre que tu nous ramènes là-bas. Je check quand même s'il n'y a pas genre des endroits inaccessibles. Faut y aller qu'avec ça. J'ai pas l'impression. Y'a pas l'impression. Il y a juste encore une emblème à trouver, c'est tout. Oh non. Ça c'est giga long en vrai. Il prend bien son temps. Ah, putain, ça veut dire que j'ai eu vraiment de la chance d'arriver en haut du truc et que la plateforme arrive, quoi, parce qu'elle est giga longue à arriver, hein. J'hésite à aller défoncer la gueule de Bowser pour qu'il nous laisse tranquille pendant un petit moment, même si en soi, je pense qu'on a bientôt terminé. Ce qu'on a à faire avec lui. Le truc c'est que même s'il y avait une emblème, je la verrais pas parce que je crois qu'on est trop haut. Et que ça charge pas les détails. Chrono, ouais, c'est ça, ça fait apparaître le chrono. Je sais pas trop où pourrait être ce dernier emblème.
Où est-ce qu'il est ce petit filou? Oh putain. Il est là. Depuis le début que je me disais que l'endroit était un peu louche quand même. Parfait. Parfait, parfait. Bon, faut qu'on retourne en bas du coup pour le chrono. Ok. Let's go pour le chronos. Bah nickel. Normalement on a fait toutes les on a fait tous les phares normalement. Sauf le tout premier qu'on peut pas faire pour le moment. Mais ça m'a l'air d'être ok là. Enfin, j'avoue que je m'attendais à un petit truc quand même. Genre une petite cinématique ou je sais pas quoi, mais autre chose à faire. Là faut peut-être que je batte Bowser. Dernier truc qui me vient en tête, on va récupérer d'abord le lapin. Oh merde, j'ai pas pris les boosts. Il me met la douille le lapin. Ici, ici, voilà. Poursuite du lapichou des rocs. Nickel. ouais, à part ça, là, l'endroit où je peux pas aller, ça m'a l'air d'être ok. Alors, peut-être qu'il y a des courses ou des trucs comme ça qui sont apparus, ça c'est possible, mais ça reste secondaire. Du coup, je pense qu'il faut juste que je me combatte contre Bowser là. Hein. Juste que je me combatte avec la cloche qu'il y a ici, je pense. Et alors, soit ça nous débloque un nouvel accès, une nouvelle île, soit ça termine le jeu quoi. Pas trop actuellement. Je sais pas trop, la cloche elle est là où on est d'accord. Attends, fais ça là. À chaque fois que je passe devant je me dis je m'en fous mais en vrai, allez. Pourquoi pas. Là. Allez. Parfait, il arrive. Ça va être le moment. Oui, parce que normalement les cloches, il faut les débloquer avec un certain nombre de lunes. Sauf que vu que je fais toutes les lunes à chaque fois, bah ça les débloque instantanément. Donc j'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment d'objectif. Que j'ai le droit de bouger. Oui, j'ai le droit. Merde, j'avais oublié ça. Ah, il le fait plusieurs fois maintenant. Ok. Tomber au ralenti. Tellement je suis gros. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut prendre ça, j'avais oublié. Et merde, attends, là il va me cracher à la gueule. Oh, il crache des boules de feu maintenant. Et des boules de rock.
comme un rock. Ah. Ah oui, mais attends, mais je peux pas aller le chercher là. Ça va être fini. Ça fait ding dong. Ah ouais, d'accord, il faut que je lui balance tant qu'il est enfin, pour qu'il soit accessible quoi. J'aimerais bien avoir un point de vue sur lui. Il s'arrête à un moment ou... Ok. Ah, quelque chose qui se passe là. Le jeu a capté que j'avais tout, je crois. Qu'est-ce que quoi? Ah, c'est un truc à faire avec Plessis. Oui. Bah oui, mais en même temps, t'es en plein sur mon chemin, c'est normal. Garde-toi de mon chemin. Et boum! Ça va faire court. C'est le combat final. Un peu rapide, hein. Mais... le truc me pop dessus quoi. Attends, on va assurer ses arrières. Ça a duré encore longtemps. Non mais... rompiche ! Oh, c'est vraiment du rompiche par contre hein. J'imagine qu'il faut pas que je me fasse toucher en fait, pour que ça valide. Non mais...
Et comment tu veux que je prévoie? Genre c'est pas possible en fait, je suis obligé de me prendre un truc à chaque fois, c'est trop rapide. Y'a trop de trucs. Y'a trop de trucs à prévoir. Ah voilà, c'est bon. Encore? Attends, mais c'est pas 3 chez Nintendo? Mais c'est impossible en fait, genre. Ok. C'est 3,5. Et salut à toi, Unleash Shadow, merci beaucoup du follow. Comment vas-tu? Yahoo! Bon, et ben voilà. Et ben voilà, et ben voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer les crédits. Je sais pas s'il nous reste 2-3 lunes à récupérer. Je sais pas combien il y en a en tout. Je sais même pas en fait s'il y a un... Peut-être qu'il va y en avoir des nouvelles. Il y a un... Peut-être qu'il y a un endgame, je sais pas du tout. Là, normalement, dans les Mario, il y a endgame, mais bon, c'est pas un vrai jeu, là, donc... C'est un petit DLC sympa, quoi. Enfin, c'est pas vraiment un DLC, vu qu'il a rien à voir avec Super Mario 3D World, mais... Vous m'avez compris, je pense. C'est un petit snack. Petit snack. Ça se mange tout seul. On va passer ça, merci d'avoir joué. 79 sur 100, ah bah oui, ah bah, hé, il m'en manque, eh oui. Il m'en manque. Effectivement. Il m'en manque. Alors du coup, je sais pas trop où est-ce que ça va nous mettre. J'imagine juste avant le combat final, du coup. Moi, je t'avouerais que je me sentirais mieux si c'était... Du coup, Bowser était plus là du tout. Mais ça va pas se passer comme ça. Vu que c'est la mécanique principale du jeu, ils vont le laisser quand même, même si t'as terminé le jeu. Par contre, on peut retourner à la première île. Et oui, il y a des trucs à faire. Papounet et moi, on allait passer une chouette journée ensemble au bord de ce lac, mais il est devenu gigantesque et fou furieux. J'ai placé des marqueurs sur la carte là où il pourrait rester des astres félins cachés. On doit les trouver et ramener mon papounet à son état normal. Ok, bon, on a tout marqué maintenant, parfait. J'en voulais pas plus. Comment ça se fait que là il y a des points d'exclamation mais grisés? Enfin, je les ai vus mais pas faits. Peut-être. Ah, et du coup, il nous ramène au tout début. Écoute, Mario, tu me rends un sacré service, alors je vais faire ce que je peux pour te faciliter la tâche. Tu veux te rendre sur une autre île, pointe-la juste sur la carte et appuie sur A. Oh, trop bien. Téléportation.
La téléportation de Endgame, parfait, parfait. Tout ce qu'il nous fallait. Bon, j'ai vu qu'il y avait des astres félins du coup ici. Du coup, on va les faire. Hein. On va globalement, je pense qu'on va, on va faire le 100%. Hein. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il en reste autant. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Oh, jure, Captain Toadette. Elle veut qu'on retrouve ses bottes. J'imaginais pas qu'il en reste autant. Ah oui, bah non, on va avoir encore besoin de Bowser. Eh, mais je m'en souviens de ça. Mais oui, c'était ça justement qu'on disait. C'était effectivement ça. On parlait de ça quand, quand on disait qu'il nous restait un truc à faire. Ça a sûrement caché une... Enfin, un astre, pardon. J'ai vu qu'il y en avait un sur le côté du bateau tout à l'heure, quand il y avait la cinématique. Oh, je suis un peu trop loin là. Oh, il est giga gros celui-là. Ah oui, carrément. Une étoile. Mais du coup, c'est pas bien logique que Bowser se retransforme encore. Même si c'est pour les besoins du endgame. Ils auraient pu faire des trucs sans... Sans qu'il y ait besoin de l'intervention de Bowser, quoi. Ah oui. On a un truc... Il y a un truc à l'avant, là. Sur la teuté de Bowser. Ok, il nous en manque deux. Après, c'est peut-être au niveau bas du bateau aussi, hein, c'est possible. Tout à fait possible, effectivement. Ah bah, déjà, il y en avait une là-bas. On va aller prendre un peu de hauteur. Donc ça, c'est la first. Nous, on veut la troisième, nous. Je pense pas qu'elle soit en hauteur, du coup. Je sais plus où était la... celle qui est censée être la deuxième. Est-ce que c'était celle sur le mât? Ça voudrait dire que c'est après le mât. Bip-bip-bip. Ça devait être le mât, ouais, du coup. Ok. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oui, et du temps pour les récupérer, bien évidemment. Elle est où? Elle est où? J'ai pas compris où est-ce qu'elle était. Oh.
Let's try again. Oh, ça allait si loin. Ah ouais, faut être plutôt rapide, hein. On y a fait ça ? J'ai l'impression qu'on n'y a même pas fait ça. Non! Oh yes, il les a tués. C'est vraiment un giga bro. Vraiment un giga bro. Bowser Junior. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, tentons de faire ça. Cette galère. Moisson des médailles de Plessis. Ok. Il va falloir qu'on retourne à la première île parce qu'on a sûrement débloqué des trucs à faire là-bas. Oui, les lapins qu'on a déjà fait, ils ont plus de brillants autour d'eux. Ah, Luigi. Mi brother. Come here. Arrête tes Bowser Junior. Ok, nice. 4 sur 5. Yeah. Bon, j'imagine qu'il met du temps parce qu'on l'a. On l'a battu, mais ouais. On peut rien faire, hein. On est obligé de l'attendre. On est obligé de l'attendre. Après, peut-être que la dernière étoile, c'est. C'est ça. Enfin, un autre mini-jeu ici. Ou alors c'est. Ouais, non, il n'y a pas de. Ouais, j'imagine que la dernière étoile, ça doit être. Ça doit être par rapport au. Au Captain. Alors, où allons-nous? Là-bas, il y a l'air d'avoir quelque chose. Mince. Ça aurait été. Mais du coup, elle est.
La machine elle est... Merde. Je fais n'importe quoi là hein. J'appuie sur tous mes boutons, ça m'énerve. L'axo des chats. Du coup la cloche elle est redevenue en mode... En mode toute caca. Donc il y a quelque chose à faire ici. Ah bah tiens, tiens, tiens. Et donc chacun va me donner une étoile. Et après quand je retournerai au début j'aurai une autre étoile je pense. Ok. On a une au bout là-bas. Une petite boussole ça aurait pas été de refus là. On va éviter d'ouvrir la mini carte à chaque fois. Ah. Ok. On a quelque chose à faire ici. Bah du coup on a un gris là. L'eau de la fortune. En fait on a deux trucs à faire ici. Mais un truc sur le lac apparemment. Ah, là on est sur le truc qu'on est censé faire sur le lac. Mais du coup peut-être pas. Bon on va aller là-haut, on va voir. On va voir ce que le jeu nous réserve. On l'a déjà dépassé. On a dépassé les deux trucs en fait là. On a déjà dépassé les deux trucs. Ça c'est censé être sur le lac, d'accord. Et ça sur l'îlot de la fortune. Du coup il n'y avait rien à faire en haut en fait. Merde. Oh putain. Il y a strictement rien à faire en haut en fait. Mais oh, j'ai envie de péter un boulax. Ah. Ah merde. Alors attends du coup, si je fais ça. Parfait. What? Quoi style? J'ai pas compris où elle était. Au secours! Oh là là! Oh les 10 FPS! Oh, please. Bah non, mais du coup, c'était celle-ci, la cinquième, en fait. J'y avais pas repensé. Ah, du coup, il l'a rejoint.
Très bien, très bien. Ah, un truc à faire là-bas aussi. Ah mais c'est en haut ça. Ah oui. Ah sinon il y a un truc là. Ouais, du coup j'ai pas trop capté où elle était. Où elle est censée être l'île là avec les 5-6 étoiles. Un chrono. Le chat est appelé à l'accueil. Je répète, le chat. Facile. Facile avec le chat. Il y a un truc de Plessis là. Oh merde. Yeah. Bon, pendant qu'on est là. Le lapin, on l'a déjà fait. Par contre, ça a l'air d'être un truc qui est en haut, quoi. Ah non, le lac. Attends, mais je suis pas sûr de quand ça dit le lac. C'est vraiment des trucs à faire sur le lac ou pas? Je comprends pas trop ça. Décrit lac. C'est un truc à faire sur le lac. Hein? Le problème, c'est qu'il n'y a pas bien d'espace pour le lac là. Ouais, non, ça doit pas être un truc pour le lac. Hein. On va essayer de monter pour voir. Limite envie d'enlever mon costume de chat là au cas où je fasse une bêtise. Ah. Ça va légèrement nous faire chier. On va essayer d'aller tout en haut hein, parce que je vois pas. Je vois pas ce qu'il faut faire. Du coup, ça a même pas l'air d'être là. Hop, 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 hop. Ah, c'est peut-être ça, non? Ah bah oui.
Effectivement. Brigade Toad, pris entre deux feux. Ok. Bon, ça c'est cool. On peut se téléporter dans les... sur les gros points noirs en fait, ok. On peut se téléporter sur les cloches. Non. C'est un nom. Alors, derrière moi... Pas qu'on capte après où est-ce qu'il fallait se mettre là pour toutes les cloches. Toutes les cloches, qu'est-ce que je dis? Tous les tous les soleils. Qu'est-ce que c'est que ça? Il joue avec une baballe. Ah mais c'est pas ça qui m'intéresse. Non mais par contre. Je ne veux pas de toi, petit chat. Ah, une arène. Bonjour à tous. Bowser Junior, à l'attaque. Ouh là là, les arènes, il n'y a vraiment aucune difficulté. Le truc, c'est que si tu mets Bowser Junior à donf... En fait, il n'y a même pas de temps. Un truc qui aurait été intéressant, c'est peut-être mettre du temps. Genre, tu mets 10 secondes et puis... que le meilleur gagne, quoi. Alors... Bon, ça, qu'est-ce que... Pourquoi? Ça, je comprends pas, en fait, ce que c'est. L'eau de la torture... La fortune, pas de la torture. Le mec a des idées noires un peu trop... Un peu trop deep. Bon, on va essayer. Ça a l'air d'être en contrebas, donc... On aille par là-bas, je crois. Et puis... Ça. Une cloche. Ah merde, c'était... En fait, c'était ça. Faut prendre toutes les pièces. Aide-moi, Bowser Junior. Un petit peu en... Un petit peu en galère, quoi. Légèrement. Surtout que l'autre, il va nous cracher à la gueule, là. Bah oui. Il sait faire que ça. Ça a pas débloqué un truc intéressant, du coup, là ? J'ai pris toutes les pièces pourtant. Attends, on va aller prendre ça. Histoire de pas mourir comme une caque. Ah ouais, attends. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a Bowser, c'est comme ça? Ah mais c'est ça! C'est la fameuse île! Merde. Mais je peux rien en faire d'ici. Ah oui, d'accord. C'est la fameuse Golden Island. Ouais, mais là c'est mort. Ah oui, mais si, c'est vrai qu'on peut TP. Là. Oh les FPS. Mais là il va partir là. Attends, pars pas tout de suite, Franjo. Juste vite fait. Attends un truc là. Ah, mais attends, pour y aller, c'est chaud là. Faut que je me mette là-dessus là. Tiens. Je vais y aller comme ça. Ah mais d'accord, c'est là. Ah mais là il me faut Plessis là.
Ouf. Ouf. Attends, te barre pas s'il te plaît. Je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. Il a pas l'air de vouloir se barrer là, hein. Bon, là faut que je le... faut que je parte. Ah mais du coup ça disparaît. Eh ben oui. Je peux le faire que une fois par une fois, évidemment. Évidemment, j'y avais pas pensé à ça. Ok. Ah mais à mon avis elle va bouger. Ah mais c'est ça le truc. Eh mais oui, mais elle va bouger. Il ôte la fortune. Eh oui, d'accord. Ok, ok, je viens de capter là. Je viens de capter en direct live, incroyable. Donc ça on n'a pas besoin de s'en occuper, parfait. Et par contre, il y a toujours ce truc du lac saut des chats là. J'ai pas vraiment la rêve de ce qu'il faut faire. Surtout que ça s'appelle le lac saut des chats. Donc c'est un truc à faire dans le lac. Enfin, au niveau du lac quoi. Et non pas ici. Ah, d'accord. Il vient de comprendre. Ici. Tout à fait. Alors, c'est où exactement? Ça m'a l'air d'être par là, je crois. Parfait. Après, du coup, je comprends pas trop le fait de venir le chercher ici. Enfin, du coup, on est... Enfin, toi, t'es toujours coincé. Moi, je suis là comme un connard. Enfin, en soi, ça change pas grand-chose, du coup, là. Toi, tu restes bloqué ici. Bon, ça, c'est fait. Il nous en reste deux ici. Ah, un truc avec Plessis. Ah. Aïe. Allez. Nickel. Bon, ça devait être le dernier de ça. Ah, il y a une petite île là-bas. J'imagine que c'est ça. Ah bah c'est notre dernier pote. Nickel. Je crois qu'on a tout le monde. Il était isolé sur l'île au chat. Je crois que nous avons tout le monde. Il nous reste juste à aller chercher ça. Fait bien dodo Bowser là. Ah bah c'est un lapin, ok. Tu vas où? Oh quoi? Ah bah oui, le passage secret bien évidemment. Un peu gênant. Il m'a mis une sacrée douille là du coup.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Je lui ai touché le bout de cul. Ok. Donc, celles qui nous restent ne sont que les îles de fortune. D'accord, donc maintenant on doit attendre comme un con, c'est ça. C'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Je vais retourner ici pour voir ce qui se passe, du coup. Maintenant qu'on a débloqué, enfin qu'on a délivré tout le monde. Salut les potes. Coucou. C'est tout? Juste un coucou? Bah écoutez, je pense que je m'en contenterai. Hein. Coucou. Ah. Coucou. Yeah. Ok. Eh bien, je m'en contenterai. Donc là maintenant, c'est gameplay wait. Ça va pas être très passionnant. Il est censé apparaître en face de moi. Parce que... Ça aurait été bien qu'il nous mette... Attends, je me suis TP où là? Ah, c'est pas une TP phare. Ça aurait été intéressant une TP phare. Mais du coup, je vais aller me TP sur le phare pour être... Pour être sûr quoi. Enfin, je vais me diriger sur le phare quand même. Oh, j'ai dit je vais me TP sur le phare. Alors que pas du tout. J'aimerais que ça soit possible. Ah bah tiens, il arrive. Bon, peut-être que du coup ça me peut-être un petit peu trop tard pour y aller. Et il a failli me troll. Elle est où ta Golden Island là? Ah mais attends, mais c'est peut-être pas... Ah si, pourtant. Elle est à côté de moi en plus. Ah bah elle est là. Wouah. T'es dedans là? J'aime pas trop ce qui est en train de se passer là. Ah mais... Ouais. Pourquoi je cherche compliqué alors que je peux faire ça? Attends, elle est où déjà? Ah oui, mais bon, là je peux pas faire grand chose quoi, je suis obligé de wait. Elle explose! On prend une à une extrémité, on sait jamais. Plouf. Ok, bah... Go attendre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'aurais pas dû... J'aurais peut-être pas du tout farmé d'un coup. Du coup. Bon. On va aller prendre de la hauteur. Hein. Je pense que là, cette fois-ci, on a le temps. Ah merde. Je pensais que j'avais un chat, mais pas du tout. Ça apparaît derrière moi. Mais non, mais
Putain, j'ai tout fait pour éviter ça et je me prends celui qui arrive. Vraiment. Karma zéro. Karma moins 8000 même, je dirais. Ah, attends, c'était où? Ouais, non, c'est plus par là-bas en fait. Ouais. Je sais pas ce qui va être mis en place, mais... En face de moi, là. Est-ce que je vais quand même là-dessus? Ça nous fera un... Ça nous fera un tremplin vers l'avenir. Ben, just wait. Je sais pas ce que je peux faire en attendant. C'est vraiment pas un gameplay très très intéressant. Ce qui aurait été bien pour la fin, c'est qu'on puisse l'appeler. Qu'on puisse l'activer quand on veut. Ça aurait été intéressant. On va dire que c'est pas les meilleurs... C'est pas les meilleurs trois derniers soleils, quoi. Les plus intéressants. Un petit peu dommage de les avoir mis à la fin en fait, du coup. Ils auraient dû les mettre en même temps que l'aventure en fait. C'est un petit peu bête. Ah, en plus il met 15 ans à chaque fois quoi. Ah, il a un petit peu bougé là, non? Ça va être incroyable à chaque fois. Ça va être l'événement à chaque fois qu'il va faire un petit mouvement. Je crois que je vais faire un AFK à chaque fois. Hein. Il met vraiment sa vie en plus quoi. Et en fait il fait quoi? Il monte de plus en plus, non? J'ai l'impression qu'il monte, non? Je dis peut-être de la merde, mais... Je le voyais plus enfoncé dans le sol. Tout à l'heure. Je crois que c'est ça, hein. Il s'élève de plus en plus. Si on voit le bout de la pique. Ah. On est pas loin de voir le bout de la pique, hein, je crois. Hein. Je crois qu'il s'élève au fur et à mesure. Il n'y a pas l'air d'avoir de pique en fait en bas. Non, il n'y en a pas. C'est pas un pic en fait, c'est juste un amas de merde. Bon. Pour le prochain, j'irai FK bio. Allez Bobby. C'est vraiment pas du super gameplay là ce que tu nous proposes. Ok. Pas sûr que ça soit suffisant. Mais oh non! Oh non, vraiment? Ah mais ça va, c'est pas fermé. Ok, j'ai eu peur. En fait j'ai cru que j'étais tombé mais pas du tout. Oh mais please quoi. Oh vas-y, j'en ai marre. Ah, avec le Tanuki ça passait hein. Vas-y, j'en ai marre, putain.
Mais tu nous fais chier, Bowser. Putain, c'est pas possible. 1000 ans à t'attendre pour que tu me casses les roubignoles comme ça, quoi. C'est pas possible d'être aussi chiant. Hein. Du coup, il y a un truc à faire ici ou pas? Même pas, en fait. Il faut juste atterrir là, en fait. Faut juste aller là. C'est vraiment le truc le plus easy, quoi. Quel relou ce Bowser. Bon, il nous en reste deux. Il est censé être ici. Genre vraiment juste devant moi normalement. Alors, je sais pas s'il sera plus haut ou pas. Bref, en attendant, moi je vous laisse avec ça. Et je vais FK bio vite fait, le temps que ça revienne. Bon, on est vraiment sur du gameplay de fou furieux là. Hein. Ah, ça arrive, parfait. Pile quand je reviens. On est vraiment sur du gameplay de fou furieux. Oula, ma VOD qui a eu quelques problèmes. Enfin, ma VOD, ma... Que je dis.
mon retour. Et bah le voilà. J'étais parfaitement bien placé. Je sais pas pourquoi il me fait ça de temps en temps, Streamlabs. Et en ce moment, je sais pas pourquoi il me fait ça, ouais. Ça m'est arrivé sur quoi la dernière fois? Ça m'est arrivé sur quelque chose déjà la dernière fois, mais je sais plus ce que c'était. Plus sur quel jeu c'était, ça me le faisait de temps en temps. Et sur quoi? Ah si, je crois que c'était vendredi dernier sur... sur Returnal. Je sais pas pourquoi il fait ça. J'ai pas eu ça depuis vendredi dernier, puis là ça me le refait. Bizarre, moi. De temps en temps, j'ai Streamlabs qui frise un petit peu, genre. Et pourtant, quand je vais dans les images perdues, ça me met 0. 0% images perdues. Mais c'est ça qui est insane, c'est que vraiment, c'est un bug... C'est un bug qui vient de Streamlabs, c'est sûr et certain, mais... Je comprends pas, ça vient pas de ma connexion, ça vient pas de mon PC, ça vient vraiment Streamlabs, mais lui-même ne capte pas que ça m'a fait perdre du coup des frames. C'est un peu bizarre. C'est juste ma capture en fait. Enfin, c'est juste la retransmission qui bug pendant quelques secondes et ça revient. Vraiment chelou. Et c'est très récent, hein. ça m'est jamais arrivé en je sais pas combien d'années d'utilisation Streamlabs. C'est giga récent. Alors là, je sens que il va falloir monter au moins sur la première. C'est pas la deuxième. Après, ici, de toute façon, on a les trucs volants, je crois. Ouais, voilà. Pour nous faciliter un petit peu la tâche. Je pense qu'il faut au moins monter sur la première tour. Après, j'avoue que si c'était la deuxième, bah du coup, je l'ai un peu dans le... Après, on peut s'assurer de... en allant sur la deuxième, hein. De toute façon, on a que ça à foutre en attendant, donc bon. Faisons, j'ai envie de dire. Faisons. Assurons-nous la max. Bien calculé, ça. Hein. Mais, allez, avance! Bordel. Il tombe dans le vide quand même. Il est en train de tout défoncer, Bowser Junior. Ok, bon. Il est censé pop là-bas. Bon, au moins on est sûr qu'on l'a, quoi. Même si j'en suis sûr à 99% que être sur la première plateforme suffisait. Surtout avec un truc qui nous permet de voler plus haut. Il n'y avait pas besoin. Il en est où, Bowser? Ah, bah bientôt. On a bien fait de faire ce petit chemin, ça nous a fait passer le temps un peu plus vite. Il va pleuvoir dans 3... Merde, dommage. J'ai tenté. Mais du coup, on est déjà à 2h36 de stream, j'avais pas vu. En fait, on n'aura pas le temps pour... On nous aura pris un peu plus de temps que prévu au final. On va juste tomber dessus délicatement. Ouais, ça suffisait large. Hein. Et boum, les 100 astres félins. Félicitations, vous avez rassemblé tous les astres félins. Un message émanant de la giga cloche se met à résonner.
Vous êtes prêts? Allez-y, débarrassez la bête de sa fureur grâce à la puissance des astres félins. Ah, ils me le refont. Ils me le remettent directement, du coup. Pour les biens du scénario. attends, j'en veux une près d'un point là. J'ai la flemme. La flemme de me déplacer là. C'est l'ultime combat. Non pas l'ultime bafouille. Oula, quoi cette vie? Oh ouais, il est en mode il est en mode Enervax on the flax là. J'ai l'impression d'être sur un boss de fin. Boss de fin d'un vrai jeu, quoi. Oh non, tous les trucs sont détruits. Je voulais continuer à le tabasser. Oh non, c'est bon, il m'en fait réapparaître. Merde. Et ici mon gigabro. Ah, un petit peu gênant ce qui vient de se passer. Faut bien l'avouer. Ah merde, il est trop loin. Tente. Merde. Not a good news, not a good news. Encore obligé d'aller te chercher à l'autre bout du monde là. Pas nice. Trop sympa. Il vient sur moi. Merde. J'en suis sûr que je peux le finir là en plus. Non. Non, what? Y'a pas eu de dégâts. Bon, tant mieux, hein. Bon, bah voilà. Oh non, on va pas encore y avoir une course. Oh non. On va encore devoir se taper une course. À mon plus grand bonheur.
pas une course. Oh, on a une course. J'appellerais plutôt ça de la merde. Oui, mais c'est normal. Oui. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de sauter. Ah oui, mais là, si je saute, il y a ça. J'avais forget. Ah, qu'on a quelques trucs sur nous. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse en fait? J'ai même plus envie d'esquiver en fait, genre ça me blase cette phase, elle est trop chiante en fait, elle a aucun intérêt, t'as aucun plaisir à faire le truc. Putain, j'avais pas vu qu'il me restait rien. C'est vraiment une phase de merde hein. Ils ont encore une fois consommé un petit peu trop de crack avant de faire ce niveau. Je sais pas si ça change quelque chose si on prend notre temps en fait. Faire des choses. Non mais vivement que ça soit terminé, j'en peux plus de cette phase. C'est vraiment de la merde. Vivement que ça soit terminé. Phase a vraiment zéro intérêt quoi. Allez, le pire c'est qu'il faut que je la touche trois fois quoi, en 3,5. J'ai l'impression que là il a pas envie que je la touche là, mais est-ce que c'est parce que je me fais toucher ou pas? Non, c'est peut-être juste après ça là. Allez, je suis mort ici. Ben non, il veut pas. Je crois que c'est parce que je me fais toucher hein. J'ai envie de péter un câble. Eh ben enfin, il fait un cri. Par contre, j'ai plus ce qu'il faut là. J'ai juste à prendre son mal en patience quoi. Au bout d'un moment il finit quand même par crier. Et comment tu veux que je fasse? En fait ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens. Voilà. Deuxième fois qu'il crie. Qu'une fois 1,5 normalement, ou alors j'ai eu vraiment de la chance tout à l'heure qu'il en fasse deux d'affilée. C'était quand même assez rapproché les deux phases. Je sais pas trop. A voir. Fous de ma gueule. Ne peut rien faire. Allez, c'est bientôt fini. Non, c'est débile hein.
Cette phase est si débile, mais si débile. J'ai rarement vu des phases aussi débiles dans un jeu vidéo. Vraiment. C'est vraiment de la merde. Bon, je sais pas si on va avoir une cinématique en plus, du coup, vu que... qu'on a tout récupéré. Du coup, il y a R. Merci d'avoir joué. 100 sur 100. Ouhou. C'est juste le dessin de fin qui change. Et encore, je m'en rappelle plus du premier. Ok. Bon. Je vais faire reprendre juste pour voir s'il y a quelque chose, mais... Je crois qu'il n'y a pas grand-chose, hein, de toute façon. Mais sur un jeu Nintendo, faut pas déconner. Ah, on est en super Saiyajin forme 46 mais en petit. Et on a la forme du soleil mais en étant petit. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu sur la carte en plus, un petit niveau bonus? La réponse m'a l'air d'être non quand même, hein. La réponse m'a l'air d'être non. Est-ce qu'il y a Bowser quelque part? Ou il a été définitivement enlevé de la carte? Je crois qu'il a été définitivement enlevé de la carte. Hein. Ouais, je crois que voilà. It's over. Ah, il est censé être au milieu là et... il n'y a plus rien ni personne. D'ailleurs, est-ce que je peux me prendre des dégâts sous cette forme ou pas? Ou est-ce que je suis invincible? Je peux me prendre des dégâts. Et du coup... ah, je l'ai à chaque fois que j'utilise ça. Ok, ok. Et je pense pas que j'ai des formes spéciales pour les autres trucs. Non. Et que pour le 4. Ok, bon bah rien de mirobolant non plus quoi. C'est juste un petit... juste un petit clin d'œil quoi, enfin un clin d'œil, on peut même pas appeler ça un clin d'œil, mais juste un petit truc en plus qui prouve que tu as terminé le jeu à 100%. Bon bah les amis, bah voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps honnêtement à finir le jeu à 100%. Après je savais pas que ça allait rajouter des trucs aussi sur la map et tout, mais au final bah on en a eu pour nos 3 heures de stream. Nos 3 heures de stream quotidienne, 3 heures de stream quotidienne du coup. Donc voilà,